Ok. What the game? Ok. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, bonjour, bonjour. Bonne arrivée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Connectons-nous massivement. Et partageons la vidéo au maximum. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Bonjour, mes petits avocats. Là, c'est les brebis fidèles, la Rema Facebook Church. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Confirmez-le-moi, parce qu'hier, vraiment, c'était pas du tout ça. Ok. Est-ce que le son est bon? Ok. En commentaire, dites-moi le son, il est comment? Bonjour, Etodi Bodo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Yolande, Zobou, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ok, nous allons aller très vite ce matin. Père, merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes d'être là ce matin à partager encore ce moment précieux en ta présence. Donne-nous, Seigneur, d'aller dans les profondeurs de ta parole pour être éduqué et bâtir en nous l'image de Christ et être à ta ressemblance et à ta stature parfaite. Prends contrôle, Seigneur, sur toute personne qui regarde et suit maintenant et après. Quel que soit le fardeau, Seigneur, qu'il soit déchargé au nom de Jésus. Que ta grâce dans ma vie parle à votre autorité pour libérer les captifs de leur prison, pour décharger les familles tout entières de leur fardeau, de l'oppression du diable et du malin dans le nom souverain de Jésus. Père, je prie que les malades soient guéris. Ceux qui me regardent, qui ne se sentent pas bien, avant la fin de ce programme, qu'ils soient complètement guéris et restaurés. Seigneur, merci parce que tu es vivant et que ta parole est certaine. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. On va aller vite, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, on a parlé hier, nous avons essayé de parler des hommes de Dieu. Je suis en train de travailler là-dessus. J'espère que le son, il est bon là-bas. Je suis en train de parler des hommes de Dieu et je suis en train, j'ai expliqué hier que dans notre génération et dans le cadre de l'Église au Cameroun actuellement, les hommes de Dieu sont méprisés, ils sont marginalisés, ils sont même chosifiés. Donc, on ne les considère pas. C'est-à-dire que tout le monde peut réussir, sauf cette classe d'hommes et de femmes, cette catégorie d'hommes et de femmes, ceux qui ont été appelés à servir Dieu. Eux, ils n'ont pas droit à ce qui est bon, ni à ce qui est bien. Tout le monde peut réussir. C'est-à-dire que même les marabouts peuvent faire des prouesses. Mais pour peu qu'un homme de Dieu essaye de se démarquer,
Si on ne dit pas qu'il est sorcier, on dira qu'il est escroc. Voilà les deux principales accusations qui sont portées aux hommes de Dieu. Et puis nous comprenons que c'est à cause de la mentalité pauvre de l'Église en ce qui concerne la parole de Dieu. L'Église, dans mon pays, dans le contexte de ma nation, est profondément divisée. L'Église est profondément atteinte par la gangrène des divisions, des compétitions, des jalousies, de la haine, vous voyez, des rivalités, des guerres fratricides. Donc, toutes ces choses-là ont fait que l'Église est malade au Cameroun. Donc, plus les hommes de Dieu se multiplient, plus le mal s'empire. Il est devenu très rare, très compliqué de voir deux hommes de Dieu s'unir pour la cause de l'Évangile au Cameroun. C'est rare, c'est compliqué. Pourquoi? À cause de l'esprit de l'individualisme. C'est-à-dire que chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun, c'est-à-dire personne n'a besoin de s'associer à qui que ce soit parce qu'il a peur que ses brebis ne puissent aller chez l'autre, vous voyez. Donc ça fait comme si, en réalité, nous travaillons pour nous-mêmes, pour des intérêts différents à ceux de Christ. Donc voilà un peu la réalité spirituelle de l'Église au Cameroun. Et donc, dans la mentalité rétrograde aussi que la majorité des chrétiens dans ce pays ont, cela est dû à l'héritage de l'enseignement qui leur a été donné. Vous savez, vous êtes à l'image de l'enseignement que vous avez reçu. Chaque brebis est à l'image de son berger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire que si vous avez un mauvais enseignement, ça veut dire qu'un enseignement basé sur une interprétation erronée des Saintes Écritures, vous aurez donc un avis erroné. Et vous aurez une mentalité erronée parce que notre mentalité est forgée sur la connaissance que nous avons. Donc votre mentalité sera forgée sur une fausse connaissance. À partir de ce moment-là, les pratiques qui viendront de votre mentalité seront aussi erronées. Donc, lorsque le message qui t'est prêché vient de l'erreur, toute ta vie va suivre le fil de l'erreur. C'est ça la réalité. Donc, ça fait qu'on a montré aux gens que les pasteurs étaient bons à la pauvreté, à la misère, à la galère. En fait, c'était des esclaves. Rien de bon ne doit venir d'eux. Ils sont un peu notre Nazareth au Cameroun. Or, à la lumière des Saintes Écritures, vous verrez que les serviteurs de Dieu sont honorés. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est des personnes qui ont reçu, de qui même l'apôtre Paul a exigé à l'Église de leur accorder un double honneur. Donc, il faut honorer les hommes de Dieu. Et l'apôtre, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, va parler des hommes de Dieu, disant, oh, décomé non prophétène. Eis onoma prophétou miston prophétou lemsetai. Si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra l'héritage de ce prophète. Donc, on peut dire quoi? Ici, Jésus-Christ parle de recevoir. Il parle de recevoir. Il parle de recevoir, ça veut dire que toi, tu reçois le prophète. Il parle d'honorer. Si quelqu'un honore un prophète, si quelqu'un l'honore à sa juste valeur de prophète, alors cette personne ne perdra jamais sa récompense. Donc, ça c'est important. C'était le point d'hier. Aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions ce que c'est qu'un homme de Dieu, tout simplement. C'est quoi un homme de Dieu? Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un homme de Dieu. Il y a tellement de stéréotypes concernant les hommes de Dieu. Il y a tellement de choses qui se disent sur les hommes de Dieu. C'est-à-dire que les hommes de Dieu sont les plus maltraités, en réalité, dans notre société aujourd'hui. Ils sont les plus maltraités. Les hommes de Dieu, en tout cas, ne jugent pas de l'honneur, ils ne jugent pas de la considération dont ils devraient jouir. Donc, en réalité, les hommes de Dieu devraient jouir d'une grande considération. Vous savez, lorsque vous avez, par exemple, une vache, je pense qu'il y a une dialectique. Il y a une dialectique par rapport à la vache. Je crois bien, il y a une dialectique en philosophie par rapport à la vache. Lorsque vous avez une vache à traire et que la vache, elle produit du lait, et qu'à cause de cette vache, vous avez des entreprises de production de lait, et vous exportez même la marchandise dans d'autres nations, et que vous négligez cette vache-là, alors vous mettez en risque votre entreprise, votre richesse, votre présent et votre futur, parce que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, cela vient de cette vache-là qui produit le lait, qui vous permet d'être un exportateur. Alors, si vous négligez la vache qui produit le lait, qui fait de vous ce que vous êtes, et qu'elle s'amaigrisse, et qu'elle perde sa santé, et qu'elle ne soit plus capable de produire le lait, alors automatiquement vos entreprises fermeront, et vous-même vous vous retrouverez dans une situation délicate et précaire.
Donc, c'est la même chose avec les hommes de Dieu. En vérité, en réalité, nous sommes bénis, nous sommes prospères, nous avons la santé, nous avons la protection, parce qu'il y a des hommes qui se tiennent à la brèche pour nous. C'est ça la vérité. Il y a quelqu'un qui ne dort pas pendant que tu dors, qui jeûne pendant que tu manges, juste pour prier que Dieu se souvienne de toi, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi et que Dieu te permette de réaliser les rêves de ta vie. Donc, ainsi dit, nous avons la responsabilité à partir de ce moment-là de considérer nos hommes de Dieu. Vous voyez, nous avons la responsabilité de les considérer et d'avoir du respect pour eux parce que c'est grâce à leur sacrifice que plusieurs d'entre vous vous êtes mariés aujourd'hui ou que vous avez retrouvé la santé. Vous savez, dans le cadre de mon ministère, précisément, s'il fallait compter le nombre de personnes qui ont été guéries en ces quelques années où notre ministère existe, c'est des milliers et des milliers de personnes. Si c'était comme dans d'autres nations où les gens reçoivent le miracle et demeurent dans la maison de Dieu, c'est qu'aucune ville au Cameroun ne contiendrait les brebis que Rema allait amasser. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, au Cameroun, le Camerounais, quand il vient à l'église, c'est pour un intérêt. Dès qu'il a son intérêt, il disparaît. Il reviendra la prochaine fois qu'il aura encore des problèmes. Dès que c'est bon, on oublie Dieu. La prochaine fois où il y a des difficultés, c'est là qu'on cherche Dieu. Donc, mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de ça. Nous allons parler de ce que c'est qu'un homme de Dieu. Vous voyez? C'est quoi un homme de Dieu? Lorsque les gens entendent parler de homme de Dieu, ils se disent non, homme de Dieu là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui. En fait, c'est Dieu quoi. L'homme de Dieu, il y a des gens qui prennent les hommes de Dieu comme si c'était Dieu. Les hommes de Dieu n'ont pas la considération qui devrait être la leur. Certaines personnes pensent que les hommes de Dieu ne mangent pas. Vous savez, quand j'étais à la vraie église, Papa Nestor Toukéa, à l'époque, nous avait raconté une histoire quand il était en Banga au début de son ministère. Alors, il dit que dans l'église où il était en train d'évangéliser, où j'étais en Banga, quelque chose comme ça, quelque chose s'est passé. Il a fait peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois sans manger. Il ne mangeait pas pourquoi? Pas parce que il ne voulait pas manger, mais il ne mangeait pas parce que les fidèles se disaient que lui, c'est les anges qui le nourrissent. Et donc, il maigrissait. Il maigrissait devant eux, il était en train de mourir devant les gens. Mais les fidèles se disaient que lui, tellement il était ouin que ça veut dire que c'est les anges qui le nourrissent. Il ne mange pas la nourriture humaine. Et la rumeur s'est répandue et personne ne lui donnait à manger à l'église. Pas parce qu'on ne voulait pas lui donner à manger, mais parce que les gens savaient que les anges le nourrissent. Et il était en train de mourir. Il dit que c'est les cannes à sucre qui l'ont nourri pendant 3 mois. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens découvrent qu'il mange aussi. C'est là que la nourriture a commencé à entrer à flot et puis il a retrouvé le poids qu'il avait perdu. Donc, il y a des gens qui ont des conceptions erronées vis-à-vis des hommes de Dieu. Il faut savoir que la Bible parle des hommes de Dieu. Ce n'est pas des dieux de Dieu, c'est des hommes de Dieu. Un homme de Dieu est d'abord un homme comme toi. C'est un être humain comme toi. Ça veut dire que ce que tu ressens, il le ressent. Tu respires, lui aussi a besoin d'air pour respirer. Tu te reposes, lui aussi a besoin de se reposer. Tu dors dans un lit, lui aussi a besoin d'un lit pour se reposer. Tu as faim, l'homme de Dieu lui aussi a faim. Tu vois? Tu as besoin de prendre soin de ta famille, ton homme de Dieu lui aussi a besoin de prendre soin de sa famille. Tu as besoin de temps de vacances, ton homme de Dieu lui aussi a besoin d'un temps de vacances. Mais il y a des gens qui se disent que les hommes de Dieu n'ont pas de droit au repos. Ils sont maudits à prier pour eux. Ils sont condamnés à prier pour eux. Et j'ai fait une remarque simple et personnelle. J'ai pris, ça c'est mon téléphone WhatsApp. Ça c'est le WhatsApp public. D'accord. Dans ce WhatsApp, dans ce téléphone, lorsque j'essaye de voir, je prends 1 000 messages. Je vais trouver dans 1 000 messages un seul message de quelqu'un qui écrit en disant, prophète, je prie que Dieu vous bénisse pour le sacrifice que vous faites pour nous. Que l'Éternel vous bénisse, qui prend soin de votre famille. Donc, sur 1 000 personnes, le reste là, les 999 autres personnes, c'est plutôt papa, priez pour moi, j'ai tel problème. Papa, priez, j'ai tel problème. Papa, voici mon problème. Papa, aidez-moi. Papa, secourez-moi. Papa, je suis en train de mourir. Si vous me laissez, je suis parti. D'autres écrivent même que papa, je vais me suicider bientôt. Si vous ne me répondez pas, je me suicide. Donc, il y a presque pas de personnes qui se disent que, comme l'homme de Dieu prie pour moi, je me dois de prier pour lui. Et ça montre l'image
spirituelle de l'atmosphère de l'Église dans ma nation. Vous comprenez? Une autre remarque que j'ai faite, c'est quoi? C'est que, et je pense que ça, j'ai demandé ça à Yaoundé dernièrement, pendant un culte. J'ai demandé qui est dans le ministère, ça fait 5 ans. Les doigts étaient nombreux. Et j'ai demandé, parmi vous tous qui êtes là, depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui, qui m'a déjà offert, ça veut dire qu'il a acheté une chemise, dit que ça c'est pour papa, qui m'a déjà offert une chaussure, dit que ça c'est pour le prophète. Le plus souvent, les chrétiens sont tellement égocentriques qu'ils oublient que leurs pasteurs ont des besoins, qu'ils oublient qu'on peut aussi réjouir le cœur de son pasteur, qu'ils oublient qu'ils peuvent aussi faire plaisir à leur pasteur, comme un homme fait plaisir à la femme qu'il aime, ou comme une femme fait plaisir à l'homme qu'elle aime, une brebis fait plaisir, peut faire plaisir à son pasteur. C'est-à-dire qu'on prie pour les gens sont bénis, les gens réussissent, les gens se marient, les portes de finances s'ouvrent, mais les brebis mangent, elles oublient le pasteur. Elles oublient que l'homme de Dieu a des besoins. Ce n'est pas parce qu'il est toujours souriant, ce n'est pas parce qu'il est toujours fort. Non, mon ami. Il est obligé d'être fort pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais tu ne sais pas ce qui se passe après le culte. Ça, tu ne sais pas. Vous savez que pendant les derniers mois d'existence de mon épouse sur cette terre des vivants, lorsqu'on arrive à l'église, quand vous regardez le dernier culte qu'elle a fait à la bière, le dernier culte qu'elle a fait à la bière, elle avait perdu suffisamment de poids et elle avait comment on appelle ça, ce qui tenait son bras. Elle a prêché ce jour avec autorité. Elle a prêché avec puissance. Je me souviens du message qu'elle avait prêché, rendant témoignage de ce qui s'était passé avec Jemima. Après cela, elle a encore prêché en décembre. Je pense même cette année, en début d'année, je pense bien. Elle a prêché. Elle avait, quoi qu'elle avait perdu le poids, elle a prêché. Mais personne ne pouvait soupçonner ni endurer l'épreuve par laquelle nous passions. Personne ne pouvait endurer. Personne ne pouvait imaginer. Elle a prêché comme ça. Quand nous sommes entrés dans la voiture, de la maison, de l'église, jusqu'à la maison, c'était des pleurs atroces, des cris stridents dans la voiture. Elle criait à Dieu à cause de la douleur atroce qu'elle ressentait. Mais chaque fois qu'elle était devant les gens, et ça a duré au moins 2 ans, personne ne pouvait s'imaginer par quoi elle était en train de passer. Ça a duré au moins 2 ans, c'est-à-dire où les douleurs étaient insoutenables, les douleurs étaient impossibles à supporter. Mon Dieu, parfois se coucher par terre. Moi-même, j'étais à la maison déboussolée. Complètement, c'est-à-dire mon âme était dans le désarroi devant l'Éternel. Mais lorsqu'on quittait de la maison pour l'église, elle me dit, mon mari, je dois soutenir les combats de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Laisse-moi parler. Je lui dis, non, s'il te plaît, il faut te reposer. Elle me dit, non, donne-moi la parole. Je lui donne la parole. Quand elle arrive, elle prêche avec autorité, avec zèle, elle supporte la douleur. C'est-à-dire, elle oublie qu'elle est malade. Elle oublie sa propre vie parce qu'elle veut mettre en avant la vie des brebis. Ça, c'est l'image parfaite des hommes de Dieu en général. La plupart de vos hommes de Dieu, vous devez savoir cela. Parfois, ton homme de Dieu prêche, il te rend ministère, il prophétise avec clarté, mais il n'a pas quoi manger à la maison. Mais ça n'effleure même pas l'esprit des brebis. On s'en fout. Donne-moi l'onction, guéris-moi, bénis-moi, et fais que les portes fermées s'ouvrent dans ma vie, je mange et ça me suffit. Les brebis ne réfléchissent pas que qu'est-ce que mon pasteur va manger après le culte. Est-ce que ses enfants sont allés à l'école? Parfois, ton homme de Dieu prêche avec autorité comme ça. Pourtant, à la maison, il a les problèmes avec Mombi. Il a les problèmes avec son épouse. Pourquoi? Parce que, en fait, les enfants n'iront pas en classe. Mais il est souriant devant toi. Il t'encourage. Sa priorité, c'est que toi, tu puisses entrer dans ta destinée. Sa priorité, c'est que le plan de Dieu pour toi s'accomplisse. Sa priorité, c'est que tu ne te décourages pas. Et il ne veut pas te partager ses frustrations. Parfois, avant que l'homme de Dieu n'arrive à l'église, mon ami, il passe par un cataclysme de frustration. Mais il est obligé d'être fort pour le peuple. Mais personne ne se pose la question de savoir dans quel état mon homme de Dieu vit. Parfois, l'homme de Dieu vous prêche, ton pasteur te prêche avec puissance, avec autorité. Il te rend ministère, il manifeste l'amour de Christ et sa compassion pour toi, toujours à l'écoute. Mais les brebis ne sont jamais à l'écoute de leur pasteur. Les brebis ne rendent pas au pasteur ce que le pasteur leur donne. Un homme de Dieu est prêt à se dépouiller pour ses brebis. Mais rares sont les brebis qui sont prêtes à se dépouiller pour leur pasteur. Pour peu qu'on donne quelque chose à l'homme de Dieu, on commence à dire, ah, c'est un escroc. Ou bien si un homme de Dieu pose un problème, on dit, voilà, alors c'est un mendiant, c'est un voleur. Mais pourtant, tu ne peux pas compter le nombre de problèmes que tu poses à ton pasteur. Il ne t'a jamais jugé. Il ne t'a jamais blâmé. Au contraire, chaque fois que tu as posé un problème, dis, prions le Seigneur. Il est dans la prière pour toi.
À chaque fois que tu poses un problème, parfois, il abandonne les problèmes de sa maison. Il abandonne sa maison avec ses manquements pour entrer dans un programme de jeûne avec toi ou se retirer à l'église et prier pour toi. Mais toi, en retour, quelle est la place que ton homme de Dieu a dans ton cœur si ce n'est pas de le juger? C'est-à-dire, le gars va se mourir pour toi. Il va se sacrifier pour toi. Le jour où il va commettre la moindre erreur, tu vas oublier que toi, quand tu étais dans l'erreur, il a pris le temps pour t'exhorter, pour t'encourager. Le jour où il va glisser, je ne parle pas de tomber, le jour où il va glisser, tu vas oublier que toi, tu étais tombé les pieds en l'air et ta nudité était exposée. Tu vas commencer à parler comment c'est un faux homme de Dieu, comment il est tombé, si c'était vraiment un vrai homme de Dieu, est-ce qu'il devrait faire telle chose ou telle chose. Mais tu oublies que tu as fait des choses plus graves. Mais quand tu es venu avec amour, il t'a ramené, il t'a lavé. Il a pansé tes blessures. Il a mis le baume de la parole dessus. Et tu as guéri. Aujourd'hui, tu es un vrai homme. Tu es un vrai chrétien. Tu es un chrétien affermi. Aujourd'hui, au jour de son malheur, au lieu de lui donner de ton attention, de ton affection, de ton amour, c'est plutôt la condamnation. Au jour de ton malheur, il a toujours été là, ton homme de Dieu. Toujours pressé à t'assister. Ton homme de Dieu. Toujours en train de crier à Dieu en ta faveur. Toujours en train de pleurer. Pourtant, tu n'es ni son frère, ni sa sœur, ni son cousin, ni sa cousine. Tu n'es ni son oncle, ni sa tante, ni son père, ni sa mère. Mais le gars est prêt à mourir devant Dieu. Il fait la clé 14 à Dieu pour que Dieu te bénisse. Au jour de ton malheur, il est là avec toi. Tu as l'argent. Le gars, ses poches sont vides. Il n'a même pas de compte bancaire. Toi, tu as des millions dans ton compte bancaire. Mais cependant, tu ne réfléchis même pas que mon pasteur, si, comme il a prié, Dieu m'a béni, je peux aussi lui donner quelque chose. Je peux aussi lui faire orange money. Tous les jours, il est là, tu appelles, il t'appelle, c'est comment? Oui, ma fille, sois courageuse. Oui, mon fils, non, écoute, le Seigneur est là, sois fort, j'arrive, tu es où, j'arrive. Je te rappelle, oui, j'arrive, oui, sois fort, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Toi, tu ne peux jamais penser que, quand il m'appelle là, je peux lui faire un transfert de crédit, je peux lui faire orange money. Au jour de ta détresse, il est toujours disponible pour toi, mais toi, lorsqu'il a le malheur, on ne te voit pas, tu disparais. J'ai été écœuré par ce que j'ai vu quand le docteur Tchalessomba est retourné au Seigneur. J'étais beaucoup écœuré. C'est le premier homme qui a rempli le palais des sports, a craqué, en sorte que les gens étaient empaquetés comme des sardines. Mais le jour de sa veillée, l'église n'était pas pleine. Malheureusement pour nous, c'est ça. Et ça montre tout simplement la réalité de la relation entre les bergers et leurs brebis. Les chrétiens au Cameroun négligent leurs hommes de Dieu. Les chrétiens au Cameroun abandonnent leurs hommes de Dieu à la désuétude. Or, vous savez que la vache qui produit le lait doit être nourrie. Et l'enseignement de la Bible concernant les hommes de Dieu est très important. Quel homme de Dieu commet la moindre erreur, le gars est mort. C'est-à-dire, les hommes de Dieu n'ont pas droit à une deuxième chance. Mais toi, tu as eu droit à 1000 chances. Une fois que tu tombes, le gars ne t'a jamais jugé, il ne t'a jamais condamné. Le jour où ton pasteur a seulement eu la malchance qu'il a glissé, ou il a fait semblant de glisser, comme le bœuf qui portait l'arche à l'époque d'Uzza. C'est toi qui prends ça, c'est sur Facebook, c'est sur Canal 2. T'as pas, il a mis ça sur Facebook. Il a plutôt jeûné. Il a plutôt crié à Dieu. Il a plutôt engagé une nuit de prière pour toi. Tu oublies qu'au jour de ta détresse, il t'a secouru. Qu'au jour de ta détresse, il a été là pour te conseiller. Il a été là pour te fortifier, pour t'encourager, pour te revigorer. Mais lui, il n'est même pas encore tombé. C'est-à-dire que, supposons même qu'il est tombé, il a encore la vie en lui. Au lieu de venir le secourir, l'aider, tu pars plutôt par une pierre, tu assommes sa tête avec. Voilà la relation entre les bergers et les brebis dans mon pays. Ça veut dire que les hommes de Dieu n'ont pas droit à l'erreur, ils n'ont pas droit à la bien, à l'aisance, ils n'ont pas droit à la richesse, ils n'ont pas droit à une belle maison, ils n'ont pas droit à une famille développée, ils n'ont pas droit à une belle voiture, ils n'ont pas droit à un beau costume, ils n'ont pas droit à une belle chaussure. Lorsqu'on voit quelque chose de bon dans la vie d'un pasteur, c'est le même brebis pour qui il meurt, qui seront les premières à le condamner. La même bouche qui te dit, oh, il n'y a pas comme toi aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur homme de Dieu que vous. Oh, Daddy, Daddy, Daddy. Oh, personne n'est comme vous.
C'est la même bouche demain qui dira que Daddy c'est un démon. C'est la même bouche qui dira demain que Daddy c'est un faux prophète, c'est un bandit. C'est la même bouche qui t'honore aujourd'hui, c'est la même bouche qui te maudit demain. Et c'est pour cela que la plupart des hommes de Dieu meurent à cause des AVC, des maladies cardiovasculaires, à cause des trahisons des brebis, à cause de la méchanceté des brebis. Tu vois quelqu'un, tu changes la malaisienne aujourd'hui, demain c'est l'indienne. Demain, après demain c'est la naturelle. L'autre jour là, c'est encore l'autre, ou c'est la libyenne, ou je ne sais pas trop quoi. La mode de mèche sur ta tête. Mais tu ne peux pas imaginer que je n'ai pas acheté une chaussure, j'offre ça à mon pasteur. J'ai demandé à ceux qui avaient plus de 5 ans à l'église, qui de vous m'a déjà offert une aiguille? Personne ne m'avait offert une aiguille. Personne. Personne. Vous ne savez pas qu'une brebis peut faire des cadeaux à son berger? La reconnaissance, c'est ça, mes amis. La reconnaissance manque à beaucoup de chrétiens. Et c'est pour cela que vos bénédictions sont limitées. Le Seigneur Jésus dit, « Ho de komenon propheten, eis onoma propheto, miston propheto, levsetai. » Si quelqu'un reçoit un prophète, il ne dit pas si quelqu'un demande. Là, c'est recevoir, parce que c'est deux choses différentes. Tu demandes tous les jours, mais tu peux aussi recevoir ton prophète. Tu peux aussi faire la différence. Tu peux aussi donner. Hein? Tu peux donner quelque chose à ton homme de Dieu. Tu peux célébrer ton homme de Dieu. C'est lorsque je vais mourir que tu vas venir raconter des mensonges que vraiment, c'était mon père, je le chérissais beaucoup. Vraiment, je suis désolé, comme il est mort, il va me manquer. Il va te manquer où? Te manquer. Quand on calcule, on regarde même bien ton calepin, tu as un agenda à la maison, où les noms des hommes de Dieu sont alignés. Dès que tel meurt, tu biffes son nom, tu vas dans chez le suivant. Dès que l'autre si tombe malade, c'est fini. Lorsqu'un homme de Dieu tombe malade, peu sont les brebis qui vont continuer à aller à l'église. La preuve est que même lorsque l'homme de Dieu est en santé, si les gens entendent qu'il ne vient pas, ils ne viennent pas à l'église. Ça montre déjà l'intérêt. Ça montre que tu n'es pas important, sincèrement. Tu n'es pas important pour ces gens. En fait, c'est ton onction qui compte pour ces personnes. C'est ce que tu donnes qui compte. C'est ce que tu dégages qui compte. Ça veut dire que si tu dégages, ils se dégageront eux-mêmes. Ils vont t'abandonner. C'est ça la réalité. Si l'homme de Dieu est encore vivant, il ne vient pas au culte. Tu apprends qu'il ne vient pas, tu ne pars pas. Le jour où il est là, tu es là. Mais ça montre tout simplement que le jour où il sera malade, c'est fini, l'église va se vider. Ils sont peu qui sont attachés aux valeurs intrinsèques de leurs hommes de Dieu. Genre que si l'homme de Dieu est empêché, l'église est là, c'est mon église, je serai là. Donc les gens ne sont pas attachés à la maison de Dieu. Ils sont attachés au bras de Dieu à travers la vie de ses serviteurs. En sorte que les hommes de Dieu aujourd'hui, notre prière c'est quoi? Seigneur, pardon, ne fais pas que l'AVC m'attrape. Parce que si l'AVC me touche là maintenant, je suis cuit. L'église va se vider. C'est la vérité. Seigneur, ne fais pas que je sois paralysé. Parce que si une paralysie me touche maintenant là, les gens là vont disparaître. Aucun n'est attaché à son homme de Dieu par amour propre, mais plutôt l'intérêt. 90% des chrétiens qui viennent dans les églises là, c'est des hypocrites. C'est des l'intérêt. Et c'est pour ça que je dis qu'au Cameroun, dès qu'un chrétien a la solution à son problème, il disparaît. C'est pour ça que nos églises ne grandissent pas. Vous pensez que l'onction que nous portons ici-là, si c'est au Nigeria ou en Afrique du Sud, je vous dis la vérité, c'est que je sors hors de la ville pour faire l'église. C'est que la ville ne peut pas me contenir. C'est ça la vérité. Le fait c'est que les gens sont avares, avides de miracles, avides de visitation divine. Dès que quelqu'un a sa solution-là, il disparaît. Il retourne dans sa vie mondaine. Il retourne d'où il venait. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Le jour où le malheur le frappe encore, il réapparaît. C'est ça la réalité. Combien prennent soin de leurs hommes de Dieu? Qui honorent leurs hommes de Dieu? Tu as dans ton parking 10 voitures, 3 voitures, 4 voitures. Tu ne peux pas réfléchir un seul instant que vraiment, avant d'arriver dans l'église, là, mes affaires étaient par terre. Mais depuis que je suis arrivé avec les prières, avec les enseignements, me voici mon parking. Avec la 3 voitures, je vais enlever une voiture pour donner à l'homme que Dieu a utilisé comme un instrument de bénédiction pour l'ouverture des portes de ma vie. Tu ne fais pas ça. On prie pour toi. Dieu te bénit. Tu ouvres un prêt à porter. Tu ne réfléchis jamais. Tu vois ton pasteur. Il a la veste cafard du 1er au 31 janvier. Tu ne réfléchis jamais que vraiment c'est les prières de cet homme qui ont fait en sorte que maintenant j'ai un prêt à porter. Je peux vendre des costumes de 100 000, 200 000, 300 000 francs. Alors je vais l'amener, je vais l'habiller gratuitement. Vous voyez, l'expérience personnelle que j'ai eue plutôt, c'est quoi? C'est que vous avez des enfants. Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux dont je parle ici-là, aujourd'hui, ne sont plus debout financièrement. Vous avez des enfants. Ils sont des techniciens. Vous priez sur eux. Vous leur imposez les mains tous les jours.
Vous leur rendez ministère, autorité avec amour. Vous voulez qu'ils soient bien, qu'ils réussissent. Vous avez un petit travail à la maison chez vous. Ton fils te met la main d'œuvre, ça dépasse même la maison que tu as construite. C'est-à-dire que le gars oublie même que tu pries pour lui, que ce qu'il est là, les portes sont ouvertes là, c'est à cause de toi. Il ne peut pas raisonner que non. L'homme, si je ne peux pas faire un travail chez lui, et il paye. Parce que je ne peux pas payer ce que lui me donne. Tu peux payer ce que l'homme de Dieu te donne. Tu peux payer ce que son alliance avec Dieu te donne. Tu peux payer l'héritage du manteau d'un prophète. L'argent ne paye pas ça. L'homme ne paye pas ça. Vous allez grandir quand? Vous serez mature quand? Tu appelles ton fils qui te rend un service. Le gars te taxe, même le païen a encore pitié de toi. Le gars te taxe la main d'œuvre. Et j'ai dit à un de mes fils un jour que, ok, écoute, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu me taxes la main d'œuvre, désormais, pour que je prie chez toi, je vais aussi te taxer la bouche d'œuvre. Comme ma bouche parle et la chose arrive là, je te taxe la bouche d'œuvre, je te donne la facture, tu payes avant que je prie sur toi. Ouais, donc les gens sont tellement inconscients. Parfois, le gars même te vole, il te frappe ton argent, il te vole au nom de Jésus. Il s'en fout de ce que tu fais de prière pour lui, que tu as une couverture spirituelle pour lui. Voilà jusqu'où les brebis vont. Or, si c'était ton pasteur, il ferait ça pour rien. Parce que tout ce qu'il fait pour toi là, il ne t'a jamais demandé l'argent, il ne t'a rien exigé par amour pour Christ. C'est ça la vérité. Vos pasteurs meurent, tu manges le poulet, tu manges les ailes de dinde, tu manges ce que tu veux. Ton pasteur et sa famille meurent de faim. Les enfants bientôt auront le beriberi, le kwashko, le racidisme. Pendant que toi, tes enfants souffrent même d'obésité, tellement ils sont bien nourris. Tu ne réfléchis pas comme mon pasteur là, qu'est-ce qu'il a aussi mangé? Est-ce que tes enfants sont allés à l'école? Dans plusieurs églises, dans le pays ici, ce que je dis est très sérieux. Au Cameroun ici, dans plusieurs églises, vos enfants vont à l'école, le pasteur prie, vous êtes délivré. Tandis que ses propres enfants sont à la maison, ils ne vont pas à l'école. Tes enfants vont à l'école. Personne ne se pose la question pourquoi l'enfant s'y a toutes les réunions. Pourquoi en tout moment, il est à l'église? Est-ce qu'il ne va pas à l'école? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Les gens ne se posent pas cette question simple. Qu'est-ce que je peux faire pour mon homme de Dieu? Vous voyez, dans des nations anglophones, et même ici au Cameroun, dans des zones anglophones, les brebis se posent juste cette question. C'est pour ça que vous verrez qu'un pasteur, un jeune prophète anglophone, des zones anglophones, qui a la même aura que moi, qui est du même rang, du même ordre prophétique que moi, a déjà le jet privé. Vous savez, l'onction que je porte, si j'étais au Zimbabwe, ou si j'étais au Nigeria, l'onction aussi, mes amis, c'est que j'ai le jet privé depuis, c'est que l'Église a construit des universités, des hôpitaux depuis longtemps. C'est que je suis un multimilliardaire depuis longtemps. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que si vous allez au Nigeria, vous voyez, papa David Oyedepo, il a un parking, ça veut dire que c'est comme un parc de voitures, des voitures qu'on lui offre par jour. C'est des dizaines de centaines de voitures qu'on lui offre. Il ne sait plus quoi faire, lui aussi il offre ça à d'autres personnes. Voyez, en soi, il s'offre des jets privés. Une brebis se lève pour dire à un pasteur que je t'achète le jet privé. Il y a un apôtre au Nigeria, quelqu'un s'est levé, lui a dit je t'achète le jet privé. Et qui dit qu'il a reçu, ou c'est deux ou trois fois, le don d'un milliard de dollars. Un apôtre que vous connaissez tous, qui a rendu témoignage, qu'il a reçu trois fois dans sa vie. On lui donne un milliard de dollars. Trois fois. Et tu vas voir un francophone, mon ami, que tu es son père, un francophone qui l'enlève un milliard, il te donne. Même pour donner 500 francs à l'église, les gens réfléchissent avant de donner. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, il y a des gens dans nos églises qui ont des comptes bancaires achalandés. Le gars vient de laisser ça à l'église, il a 10 millions, 20 millions, 30 millions, des centaines de millions dans son compte bancaire. C'est aussi pour cela que nous ne jouissons pas de nos richesses. À un certain moment, ta richesse finit, Dieu souffle dessus parce qu'elle ne sert à rien au royaume de Christ. Donc moi, je pense que vous devez comprendre ces choses. Il y a des hommes de Dieu dans leurs églises. Écoutez bien ça, dans leurs églises. Hein. Ils prient, les gens sont bénis, sont oints. À la fin du mois, ils n'ont même pas l'argent pour payer le loyer de l'église. Il n'y a pas l'argent pour payer le loyer de l'église. Où les gens viennent prier et adorer Dieu. Et il y a des gens parmi là qui sont des riches, des hommes d'affaires, des commerçants, qui ont l'argent
5 millions en banque, 1 million en banque, 2 millions en banque, 10 millions, 40 millions, des centaines de millions qui vont prier. Le loyer, c'est 60 000 francs. Le pasteur est obligé de sortir trouver un travail dehors pour payer l'église où les gens viennent prier. Voilà jusqu'où nous nous sommes rabaissés au Cameroun. Voilà ce que nous vivons dans ce pays. Vous êtes dans une église, l'homme de Dieu prie, te bénit. Dans ton parking, tu as 4-5 voitures. Ton pasteur vient avec le Benz qui est à l'église. Il vient sur la moto. Tu ne peux pas réfléchir que l'homme-ci, au moins pour l'honneur qu'il est mon pasteur, pour ma propre honte. C'est-à-dire que pour que Jésus va voir mon pasteur, il tombe dans la boue avec le Benz qui d'autre même tombe à saison pluvieuse. Il vient à l'église au sale. Vous devez faire demi-tour, le culte commence, au lieu de 9h, ça commence à 11h. Parce qu'il était dans l'église, il est tombé, il est retourné, se relaver, s'habiller encore à nouveau pour revenir à l'église. Tu ne réfléchis pas que non, mon pasteur, si vraiment, pour ôter la honte à l'église aussi, et me ôter la honte moi-même devant mes amis, je vais lui donner une voiture parmi les trois ou les deux voitures que j'ai. Tu ne peux même pas ôter la seule voiture que tu as pour dire mon pasteur mérite. Voilà papa, toi viens avec la voiture, moi je viendrai à pied. Dieu qui m'a béni pour avoir la première voiture, il me bénira pour avoir une autre voiture. Donc si tu ne fais pas, tu ne rends pas fier ton pasteur, mon ami, tu ne jouiras pas de ses bénédictions. Tu peux jouer un peu, mais tu ne jouiras pas de vraies bénédictions qu'il porte. Donc moi, je pense que les chrétiens doivent comprendre cela. Tu viens, tu te dis, non, je donne les offrandes, je donne les dîmes. La dîme, ce n'est pas pour le pasteur. La dîme, ce n'est pas pour moi, mon ami. La dîme, c'est pour l'œuvre de Dieu. Non. Si vous apportez les dîmes, les offrandes, tout ça, vraiment, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est destiné à l'œuvre de Dieu. Mais on parle de faire une enveloppe pour ton pasteur. Tu restes chez toi comme ça, tu fais une enveloppe, tu dis, papa, voici, ça, c'est pour vous. Oh, papa, vous chaussez quelle pointure. Ça fait plaisir, mes amis. Ça fait plaisir. L'œuvre dans laquelle nous sommes ici est tellement ingrate. Et au Cameroun, j'ai eu même à dire une fois qu'on a eu quelle malchance d'être des pasteurs au Cameroun. Mais tu ne vas pas te plaindre parce que c'est Dieu qui a décidé. Et donc, on reste, on supporte seulement ça comme ça. Voyez. Donc, nous devons comprendre que la responsabilité n'incombe pas seulement à l'homme de Dieu de prendre soin des brebis, mais les brebis peuvent aussi prendre soin de leur homme de Dieu. Tu peux habiller ton homme de Dieu de la tête jusqu'au pied. Tu peux habiller la femme de ton homme de Dieu. Dieu t'a béni. Tu as un magasin, tu as une boutique. Mon ami, rassure-toi que chaque mois, tu prends du riz là-bas et tout, l'huile, tout. Tu viens, tu déposes pour que ton homme de Dieu puisse être béni. Que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Les habitants de Douala, si tu as manqué hier, ça veut dire que vraiment, je ne sais pas si tu vas te rattraper, je ne pense même pas. Donc si vous me suivez ici à Douala, je suis dans la ville de Douala, ce soir à partir de 16h en Dogbon, derrière l'immeuble de Kamler, j'ai dit que ce sera prière délivrance. Mangez bien avant de venir, attache ta ceinture. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Nous allons prophétiser comme on n'a jamais prophétisé. La parole sera enseignée avec autorité. Et les démons qui bloquaient ta vie vont mourir. Vous voyez, je le fais, je ne te demande pas 5 francs. Je ne demande pas 5 francs. Vraiment. C'est ça que vous voyez, après le pasteur meurt subitement. On dit, il n'était pas malade. Qui t'a dit qu'il n'était pas malade? Il n'était pas malade où? Le gars vivait mal. C'est ça la vérité. Il mangeait mal. Au lieu de réfléchir que mon pasteur, vous savez, c'est que combien de kilocalories un homme de Dieu dépense lors d'une prédication ou lors d'une émission comme celle-ci, sincèrement. C'est ça que les hommes de Dieu sont en train de mourir au Cameroun, en sorte que c'est la mauvaise vie. C'est le mal-être qui nous tue. C'est le mal-être. C'est-à-dire que la mauvaise entretien. On ne prend pas soin de nous. Comme cela se devait. Nous mangeons très mal, mes amis. Un homme de Dieu qui mange le riz sauté tous les jours. Riz sauté arachide. Il n'a pas une alimentation variée. Pas parce qu'il ne veut pas avoir une alimentation variée, mais parce qu'il n'a pas le moyen de s'offrir une alimentation variée. C'est ça le problème. Hein? Ça pose un vrai problème. Et les chrétiens, ça ne leur dit rien. Voilà. Donc, les habitants de Douala, vraiment, que Dieu vous bénisse. Ne manque pas ce soir. Prends ta voiture ou bien ton taxi. Dis, il me le camelait derrière... l'immeuble Kamlé à Dogbon. L'église est située derrière l'immeuble Kamlé à Dogbon. Ce soir, je vous dis la vérité, ça sera redoutable. Nous allons dégager l'ennemi de notre camp. Il va sortir. Tout ce qui nous a été volé, on va récupérer ça. Nous allons prier jusqu'à changer les décrets de nos ennemis en notre faveur. Donc ne reste pas à la maison. Il reste 2 jours. Aujourd'hui et demain. Et ne reste pas à la maison. Laisse Dieu te toucher. Si tu écoutes cette annonce, c'est que l'Esprit de Dieu te donne rendez-vous ce soir derrière l'immeuble de Kamler, à Dogbon. Je ne bavarde pas beaucoup. Viens et vois de tes propres yeux. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.